Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais tourner un petit pot à fleurs. Donc là, mon atelier, il n'est pas encore terminé. La luminosité n'est pas très bonne. Mais bon, je vous referai des gros plans de cette vidéo. Mais là, c'est pour juste se détendre un peu. Donc vous avez la vidéo « Centrer la terre » sur le groupe. Hein. « Centrer la terre » @l'argile de 100 ans. Donc là, je vais centrer ma terre et la monter 3 fois. On fait ça pour enlever les bulles. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais quand mon atelier sera fait, comment utiliser ses mains pour monter et descendre la terre. Une fois qu'elle sera bien centrée et qu'on aura enlevé toutes les bulles, là on est à fond, hein. On fait tourner la girelle à fond. Maintenant, on vient nettoyer la girelle pour enlever le surplus de barbotine. Maintenant, on va commencer à faire le trou au milieu, mais là, on va venir diminuer beaucoup la vitesse. On met de l'eau sur la terre et on tient l'appui à gauche et on enfonce un doigt au centre jusqu'à ce que l'on descende, en laissant presque 1 cm au fond. Je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo comment contrôler qu'il y a bien 1 cm. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé au fond, eh bien, on tire contre soi pour ouvrir la terre, toujours avec des appuis. Les deux mains se touchent toujours, hein. Là, je vais resserrer parce que j'ai un petit peu trop ouvert. Et je reviens depuis le centre ouvrir complètement mon petit bol. C'est plutôt un pot à fleurs. Hein. Et maintenant, je vais commencer les montées de terre. Donc avec mon pouce, mes deux mains se tiennent, mon pouce est appuyé contre mon doigt de la main gauche, pouce droite, main gauche, il y a la terre entre les deux. Je décroche une petite vague et je monte tout doucement cette petite vague vers la hauteur. Je n'appuie plus, je monte juste cette petite vague, on la voit passer. Voilà, on est en haut. On va le refaire, je resserre un peu. On va le refaire, il n'est pas assez haut, et là je vous laisse avec le bruit du tour pour que vous vous rendiez compte quel bruit ça fait. Lorsqu'on est satisfait de son travail, on n'oublie surtout pas
de venir essuyer et d'enlever toute l'eau qu'il y a au fond du bol. C'est très important que ce soit complètement sec. Si vous laissez de l'eau, ça va fendre au séchage. Donc on essuie complètement le fond. Et maintenant, on va venir frotter tout doucement avec une petite carte tout le tour de notre petit vase, ou pot ou bol, pour enlever la barbotine qui reste. Vous verrez que quand j'arrive en haut, on voit un petit paquet de barbotine. Donc on n'appuie pas, hein, on frôle et on enlève, voilà, vous voyez le petit paquet de barbotine. Et on va le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de barbotine. Sinon, l'objet est beaucoup trop mouillé et ça n'ira pas. Il faut enlever cette barbotine. Il va y avoir de nouveau un petit paquet. Hop, voilà. Et on récupère la barbotine. Maintenant, on va aller ressuyer complètement. On nettoie la girelle. On essuie un tout petit peu aussi le bord et c'est bon. Alors, pour retirer un objet qu'on a fait autour, si vous voulez, c'est pas le fil qui coupe dessous, c'est l'eau. Il faut faire avancer l'eau sous la pièce. Donc, vous mettez de l'eau, voyez, vous tendez bien votre fil, vous tirez l'eau et vous venez, voyez. Et on recommence, on reprend l'eau, et voilà. Elle est belle. On va le laisser sécher. J'ai laissé sécher le petit pot jusqu'à ce qu'il soit un peu dur, avec un sac plastique sur le dessus, pas qu'il sèche trop vite. Et maintenant, il est bien, bien à consistance cuir et je vais pouvoir le tournasser. Donc, on va venir le poser le plus centré possible. On va faire tourner doucement. Si on marche à la maison. Et on va tapoter avec cette partie de la main pour le centrer, parce que là on voit que c'est pas centré. Alors on aurait tendance à taper au moment même où on voit que c'est décentré, mais il faut tapoter juste avant. Voilà, c'est pas mal. Donc ensuite, on prend de la terre. On fait des petits colombins. On appuie ici et on vient poser en trois parties pour bloquer notre pièce. Et là, on fait tourner pas trop fort et on va venir modifier. Alors, toujours des appuis, hein, bien entendu. Et on vient
pas avoir peur d'appuyer quand même, hein. Et je vais descendre. Je vais faire de ce côté-là. Attendez, je vais le faire tourner dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Donc je viens et je suis la courbe tout en appuyant. Pour tout égaliser. Alors, j'en profite pour vous dire que ça, là, ces copeaux, on peut tout récupérer pour la recycler, hein. Il y a une vidéo sur la chaîne « Recycler son argile ». Donc, vous mettez ça dans votre bac où vous récupérez votre argile. Vous ne mélangez pas les terres, hein. Vous faites bien des bacs faïence, bacs grès. Bon, je vais le remettre dans le bon sens pour bien le terminer. Et quand vous êtes satisfait de ce que vous voyez, vous prenez de nouveau une carte de crédit et vous allez venir frotter pour faire lisser. Alors, je vais remettre dans l'autre sens pour que vous voyez. Vous voyez, on va venir ici. Je vais poser et je vais maintenir. Et je suis la courbe, toujours avec des appuis, hein, mes deux mains se touchent. Et j'appuie simplement. Pour bien lisser. Je vais remettre dans le bon sens. Voilà. Voilà, je suis plutôt contente. Impeccable. Donc maintenant, je reprends